J'espère que je loupe pas la reine le temps que je refasse la vidéo à chaque fois. Dommage qu'on peut pas mettre une vidéo d'un trait sur les serveurs. On est limité au niveau du temps. Ah, voilà la reine. Ça y est. Donc je prends mon marqueur. Ah, elle s'est cachée. Elle s'est cachée. Ah là, voilà. Voilà, c'est une jeune reine. Et le petit pointage. Voilà. Je la remets parmi ses copines. Maintenant, il peut en avoir plusieurs. Ce qui est marrant, c'est qu'on la voit bien maintenant. Alors je cherche toujours, hein, parce que pour moi il n'y a pas qu'une seule reine. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est ici. Et je cherche, et je cherche. Voilà, comme d'habitude, ça bloque à l'entrée. La reine est toujours là. La voyez bien. Il faut pas que je focalise sur cette reine. D'ailleurs, on va l'aider un peu. Voilà, je l'ai mise ici. Afin qu'elle rentre tout de suite dans la ruche et que j'oublie cette reine. Voilà. Le bourdonnement devrait changer au niveau de la ruche.
Ça y est, j'entends le grondement qui vient de changer. Ces abeilles qui sont vraiment inutiles si elles ne rentrent pas. Il y a encore beaucoup de mâles, ce qui est pas courant pour la fin juin. Hein, encore une fois, cette pigmentation jaune qui ressort. Ils sont magnifiques, hein. Mmh.